Et bonjour les gens, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo sur Tales of the Race, le trailer d'avril qui a beaucoup tardé pour venir. On note bien. Donc du coup, juste pour prévenir, j'ai déjà vu une bonne partie du trailer, je pense. Enfin, j'ai juste vu des images, donc du coup, je ne sais pas si j'ai manqué des trucs. Enfin bon, on verra. Mais bon, je pense pas que ça va durer très longtemps vu que c'est qu'une minute 34 et qu'il n'y a pas tellement de choses. Bah déjà que le trailer pour avril arrive déjà le 15 avril, c'est pas pour nous montrer qu'il y a beaucoup de choses, c'est clair et net. Event Abyss. Ok. Alors du coup, nouvel événement Abyss. Alors par contre, est-ce que ça va être... Ah non, du coup, vu que c'est deux antagonistes, je pense que ça va être similaire à Simone et à l'événement avec Simone. Donc du coup, ça va être un événement assez normal en fait. Par contre, Arietta, je sais pas comment ils vont réagir. Qu'est-ce qu'elle va... Comment elle va réagir à Arietta? Avec tous les nouveaux ions là. Et encore apprendre que le ion originel, il est mort. Encore une fois. Comment elle va réagir à Arietta? Ah, je sais pas du tout. Et du coup... Overhype pour les deux nouveaux, ces deux persos là. Bah, j'ai peut-être envie pour Tyr, mais le souci c'est que Tyr, j'ai pas beaucoup de choses pour elle en fait. J'ai vraiment pas beaucoup de choses pour elle. Et en plus, j'ai envie de vous dire après la collab là qu'il y a eu avec Black Clover, j'ai vraiment plus rien. Donc après la 11e vague de Spirit Gear, Mila avec Sylph, Ifrit. Ah, je la voyais plus avec Sylph. Mais ouais, pourquoi pas. Et par contre, Jude avec Celsius, oh, c'est pas tellement surprenant. Jude, je m'attendais soit Maxwell, soit Celsius. Mais vraiment, Mila, pourquoi elle a pas pris Maxwell, quoi? J'espère que ça va expliquer. J'espère qu'il y aura une explication pourquoi Mila n'utilise pas Celsius. Mila n'utilise pas Celsius. Mila n'utilise pas les fragments de Maxwell. Parce que, qu'on soit d'accord, du coup, ce serait similaire à Emile, et du coup que... Mila serait peut-être compatible avec techniquement les quatre les éléments des quatre. Donc Ifrit, Ondine, Sylph et Gnome.
Parce que sachant que en fait, si vous voulez, pour Emile, enfin, il retrouve une partie de ses pouvoirs avec Tenebrae, qui est considéré comme un esprit là, et grâce au Spirit Gear, il réussit à récupérer une partie de ses pouvoirs. Donc, est-ce que c'est similaire avec Mila là? Elle récupère une partie de ses pouvoirs en tant qu'esprit avec Sylph? Je sais pas du tout, mais bon bah. Les gens, c'était une bonne petite vidéo et à la prochaine.